بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي إلى قناة صومام رودري تعليم الويلكم للمبتدئين. Salut à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube pour l'apprentissage du logiciel Wilcom pour la création des motifs ou des films de broderie. Aujourd'hui, je vais vous donner un cours sous forme de conseil pour les débutants. Car il y a beaucoup qui ont installé le logiciel Wilcom et ils ne savent pas comment débuter dans le logiciel Wilcom. D'abord, je vous conseille d'aller sur ma chaîne. Il y a beaucoup de cours et de vidéos que j'ai fait sur le logiciel Wilcom avec l'ancienne version, le E2, et la nouvelle version, le E4. Vous allez trouver des cours comment débuter, comment enregistrer, comment créer un motif, comment écrire en arabe ou en français, et d'autres cours que vous allez découvrir. Je sais pas de comment je vais commencer, mais je vais donner un aperçu avec le logiciel Wilcom E2. Donc d'abord, pour un designer ou celui qui veut soit modifier des motifs de broderie téléchargés sur internet, ou celui qui veut créer des nouveaux motifs à sa manière, la chose la plus importante, c'est de savoir ou de connaître le logiciel Wilcom. Donc comme cette interface, on est sur le logiciel Wilcom Embroidery Studio E2. Donc c'est la version E2. C'est une très bonne version pour apprendre, pour créer et pour modifier les motifs de broderie. Donc si vous trouvez cette interface, vous allez reconnaître que c'est le Wilcom E2. Et si vous trouvez cette interface, c'est le Wilcom E4.2. Vous allez sur Aide à propos de Embroidery Studio, vous allez trouver E4.2. Donc pour le logiciel E2, la chose la plus importante, c'est d'organiser l'interface de votre logiciel, et vous allez organiser les outils et surtout connaître la valeur des outils les plus importants, parce que le logiciel Wilcom, il a beaucoup d'options et vous n'allez pas apprendre tout d'un seul coup. L'essentiel pour vous, c'est de connaître les outils les plus importants que vous allez utiliser dans votre création ou modification de motifs. C'est mieux de classer chaque outil ou catégorie d'outils pour faciliter votre travail selon votre idée. Par exemple, c'est mieux de laisser comme ça les outils les plus importants de ce côté sur la gauche. Ces outils, vous allez les utiliser beaucoup, et vous devez connaître le rôle de chaque outil. Par exemple, on va prendre cette flèche de sélection, et quand vous allez avec le curseur sur chaque outil, il va vous donner un nom. Par exemple, celui-là, sélectionnez un objet, et sur le titre, il y a la lettre O. O, ça veut dire que vous pouvez utiliser le O du clavier pour choisir cette sélection. Et vous trouvez des petites flèches sur le coin. Si vous trouvez des petites flèches sur le coin, ça veut dire qu'il y a une suite. Il y a d'autres outils de la même famille. Si vous cliquez comme ça, voilà la liste. Et cet outil, c'est un outil de sélection. Vous avez sélection courant,
vous avez sélection polygonale et vous avez sélection polylinéaire. Donc les plus utilisés, c'est cette sélection d'objets avec la lettre O et aussi sélection polygonale avec si vous voulez la choisir avec le clavier, vous allez cliquer ou choisir CTRL L sur votre clavier et vous aurez cet outil. Donc cet outil, il est très important. Il y a aussi cet outil. Celui-là, c'est un outil de refaçonnage. Donc c'est un outil très important que vous allez utiliser pour des modifications sur votre motif aussi. Celui-là, c'est pour éditer les points de broderie. Donc ces deux outils, vous allez les utiliser beaucoup. Il y a aussi celui-là, c'est, attendez, vous allez mettre les curseurs, vous allez choisir le passage. Si vous cliquez sur la petite flèche sur le côté en bas, on a les outils de contour. Donc ces outils sont des outils de contour. Ce sont des outils très importants que vous allez utiliser sur votre modification ou création. Donc celui-là, c'est le passage et le triple passage. Celui-là, passage de motif, point arrière et point de tige. Donc vous allez découvrir au cours de votre formation ou votre travail ces outils. Donc ces outils sont très importants et vous allez les utiliser souvent. Encore un autre outil que vous utilisez beaucoup, c'est celui-là. C'est les outils pour les formes libres. Donc il y a ce forme d'un D et un sous forme d'un C. Remplissage complexe et remplissage de fusion. Donc ces outils, vous allez aussi les utiliser beaucoup. Et aussi cet outil, outils de forme de colonne. Donc ces trois outils, vous allez les utiliser beaucoup aussi, hein. Donc il faut savoir comment travailler avec ces outils. Juste pour voir la méthode, j'ai quelques vidéos où j'ai expliqué comment travailler avec, par exemple, l'entrée A et l'entrée B et l'entrée C. Donc vous pouvez trouver d'autres vidéos sur ma chaîne pour voir comment travailler avec ces outils. Donc les plus importants, c'est cet ensemble que je viens de vous donner sur cette interface. Il y a l'outil de texte, c'est très facile. Vous allez sélectionner juste le texte ici et vous allez écrire votre texte dans cette colonne et vous mettez votre texte de broderie. Dans les autres outils très importants, il y a celui-là, outil de dessin vectoriel. Donc celui-là, vous allez faire des dessins en vector et vous allez les transformer en broderie. Par exemple, si je prends cet outil polyligne, donc cet outil par exemple, je vais mettre, c'est comme dessiner avec un crayon, et là c'est la machine va pas le reconnaître, donc ça va nous aider pour tracer un chemin ou un dessin et on va le transformer par exemple en passage. Je vais juste sélectionner celui-là et je clique ici, je clique sur celui-là et il va devenir un fil passage que la machine va reconnaître et elle va le border comme vous voulez. Donc il y a les autres outils que vous aurez besoin, c'est à connaître dans votre début, c'est cet ensemble,
surtout ces 3 ou 4 ou 5 outils. Par exemple, celui-là, c'est un TrueView, c'est voir l'objet à sa nature, ou désactiver le 3D. Celui-là, il va afficher les points de broderie ou cacher les points de broderie. Celui-là, il va afficher ou cacher les contours. Celui-là, il va afficher les points d'aiguille, ou cacher. Donc, afficher les points de liaison, afficher les fonctions. Donc, celui-là, c'est pour afficher la grille ou cacher la grille. Donc, par exemple, si je clique comme ça, la grille va disparaître. Je clique, la grille va s'afficher. Ici, c'est la règle. C'est cette règle qui est sur les côtés, soit afficher la règle ou cacher la règle, comme vous voyez. Ici, si vous avez une photo que vous allez mettre sur l'interface pour dessiner sur cette photo, soit vous allez cacher la photo ou faire apparaître la photo. Donc, d'ici là, c'est les outils très importants pour utiliser. Donc, on a par exemple ces outils, liste des couleurs. Liste des couleurs, c'est celle-là. On peut attendre. Liste des couleurs. Liste des noms. Propriété d'objet, c'est celui-là. Et liste des couleurs d'objet, c'est ici, liste des couleurs. Donc, ça va afficher quand vous travaillez. Les objets seront affichés ici sur cette ligne. Donc, apparemment, pour l'instant, c'est tout ce que vous allez connaître comme débutant. Donc, par exemple, ici, si vous dessinez quelque chose, vous pouvez utiliser cet ensemble aussi. Donc celui-là, c'est un type de point de cette broderie. Donc comme vous allez voir, ici par défaut, il va le faire en satin. Donc regardez ici, il va afficher satin. Donc si je clique ici, il va le rendre en tatami, comme vous voyez. Ici, il va le mettre en zigzag. Ici, il va mettre le point E. Donc, en général, c'est les outils très importants que vous allez utiliser, surtout le tatami et le satin. Donc, vous allez découvrir les autres trucs peu à peu, bien sûr. En pratiquant, vous allez apprendre. Donc, en général, ici, il y a la palette couleur. En bas, il y a la palette couleur. Ça va changer les couleurs de vos objets dessinés. Vous allez mettre la couleur que vous utilisez. Et il y a cette palette aussi de... Voilà, je vais... c'est pour transformer l'objet. Comme vous voyez, le tourner et l'inverser. Donc, c'est les outils les plus importants pour un débutant. Donc, à mon avis, pour un débutant, il doit connaître le rôle de chaque de ces outils dans le démarrage et il va pratiquer chaque outil doucement, doucement pour savoir comment ça marche. J'espère que ce petit cours va vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer soit sur YouTube ou sur Messenger. Je vais vous répondre, Inch'Allah. Merci à vous et un autre tuto et une autre vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.